Imagine-toi un seul instant, tu es rendu sur ton lit de mort et tu es sur le point de passer de l'autre côté du monde. Et là, une multitude de démons ou de fantômes viennent à ta rencontre pour te dire la phrase suivante. Nous sommes très en colère contre toi car on est tes talents et tu ne nous as jamais utilisés. Nous sommes tes talents que tu as cachés dans le noir toute ta vie. Nous sommes venus bien longtemps pourtant pour t'accompagner et tu nous as refusé l'accès. Et aujourd'hui, regarde-nous, on est sortis enfin de l'ombre, mais pour quoi faire? Pour t'accompagner pour l'éternité dans ta tombe. Quel gâchis! Et j'aimerais te dire quelque chose, personne, je dis bien personne, personne ne naît sans talent. Alors j'ai une question pour toi, à ton avis, le jour de ta mort, le jour où tu seras dans un lit en train de basculer de l'autre côté, combien de démons vont venir peut-être à ta rencontre? Combien de fantômes frustrés en colère vont venir à ta rencontre? Écoute-moi, il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. Laisse-moi en commentaire, 1, quel est le talent ou les talents dont tu disposes à qui tu n'as pas donné accès? 2, au service de quoi tu vas le mettre ou tu vas les mettre? C'était Nahid Rached, Hada Houa, et Allah Yahfidkoum.